Et yo tout le monde, c'est Seban Fuxito. Aujourd'hui, on se retrouve sur Friendzone 2, la suite de Friendzone 1, où il y a eu des révélations comme le meurtre, enfin non, pas le meurtre, la disparition de Eva. On a eu ensuite le suicide par ma faute de Zoé, sa meilleure amie, et la personne qu'on essayait de draguer. Et là, on s'est fini sur un instant où on voyait Brian en larmes, qui nous avouait qu'il était là le soir où Eva a disparu. Chapitre 1, un an plus tôt. Votre prénom. Esteban. Jouer. Pensiez jouer à un test sur la friendzone, toute une histoire s'est créée à partir de cela. Attends, c'est bien fait douiller quand même, hein? Alors qu'au début de la vidéo, je m'étais déjà fait friendzone. Cette partie reprend la fin dans laquelle Zoé est encore vivante. Ah, d'accord. Donc en fait, elle est en vie maintenant. Yes! Enfin, Zoé, Eva n'a toujours pas été retrouvée. Vous allez être spectateur d'une conversation qu'elle a eue le matin de sa disparition. D'accord. Non, plutôt le matin de la disparition d'Eva. Inconnue en ligne. D'accord. Vous y avez une conversation supprimée par une personne. Eva, tu es là? Chloé, oui, je suis là. Comment tu vas? Ça va, je ne comprends pas pourquoi j'ai ça fait un moment que nous n'avons pas discuté toutes les deux. Je suis désolé, j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment. Dis-moi que t'es tombé amoureuse d'un mec qui s'appelle Esteban. Allez! C'est pas encore à cause de Brian, c'est ça? Non, pas du tout, c'est bon, maintenant je ne parlerai plus de lui. On a passé une mauvaise soirée hier, je ne compte pas le revoir. Ah oui, donc c'était le soir même, je pense qu'après on a eu la fête. Tu vois, je t'avais dit qu'il ne m'inspirait pas confiance, ce gars-là. Comme je l'avais dit. Il est un peu envahissant, mais ce n'est pas non plus catastrophique. J'ai l'impression que ce n'est pas ça qui occupe plus ton esprit, je me trompe. Décidément, je ne pourrai jamais rien te cacher à toi. J'ai rencontré un garçon génial, il est très cultivé et je t'avoue, j'ai hâte de lui parler. Yes, et c'est qui le winner? C'est Esteban. Et c'est qui le winner? C'est Esteban. Allez, c'est super ça. Enfin, tant que tu ne m'oublies pas. Mais ouais, mais oui, mais ah merde, comme elle est morte. Oh, chier de merde. Non, bah tant pis. Continue de le décrire si ça te fait plaisir. D'accord, smiley chelou. Il est attentif et j'ai l'impression de ne ressentir aucune barrière quand on discute ensemble. Et évidemment, c'est qui le focus? Non, je déconne. Je vais commencer à être jaloux, ça. Tu es ensemble? La personne qui pète un câble. Et sinon? Comment s'appelle-t-il? Si elle me dit pas Esteban. Il s'appelle Esteban. Yeah. S'appelle Esteban. Je vais encore faire une soirée d'horreur avec Xum et cette fois-ci, lui aussi sera présent. Je suis sûr qu'elle va apprécier. Enfin, qu'elle va l'apprécier. Dans ce cas, j'espère le rencontrer un jour, moi aussi.
Ah, faudrait-il déjà qu'on se rencontre toutes les deux? Je ne l'ai pas vue qu'une seule fois et c'était bien trop court à mon goût. D'accord. Donc en fait, elles sont amies, mais elles ne se sont vues qu'une seule fois, c'était bien trop court. Tu es certaine de ne pas vouloir que je parle de toi à mes parents adoptifs? Tu es ma sœur biologique, ils ne te laisseront te voir, j'en suis sûre. Ok, alors attendez, je mets en pause. Donc là, cette Chloé, c'est la sœur biologique de Eva, surtout pas. Ce sera à moi de le faire au moment venu, tu le sais bien, Eva. Promis. Promis. Tu sais. J'ai passé des années à te chercher, je ne compte pas te perdre à nouveau. J'apprécie que tu t'inquiètes pour moi, je me sens de nouveau heureuse depuis qu'on se parle. Je serai toujours là pour toi, petite sœur. Smiley. Bon. J'ai du boulot aujourd'hui, je vais te laisser. D'accord. Bonne journée dans ce cas et courage. Ah, oui, j'en aurais besoin. J'ai beaucoup de choses importantes à faire et oui, surtout, n'oublie pas d'écouter la musique que je t'ai passée hier. I play Pokémon Go. Oh oui, Hopeless, je vais écouter, je la trouve apaisante, j'aime beaucoup, je la garde sur mon portable. Super, alors bisous. Ah, elle est longue cette conversation-là. Brian, de retour un an et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva nous envoie un message. Enfin, vous envoie, ok. Sylvie Bell. Avec un loup. Ah, je déteste les loups! Je vais devoir la tuer. Bonjour Stan, c'est la femme de Christophe. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de se parler. Ah, vous pouvez appuyer sur le bouton d'appel à droite de votre correspondant. Allô? D'accord. Bonjour madame. Nice l'appel quand même, hein. Tu peux m'appeler Sylvie. Je t'envoie ce message car j'ai passé la soirée avec Zoé et qu'elle m'a dit que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Brian. Hein, quoi? Non, non, j'ai rien à raconter. À part que c'est un connard. Elle ne m'a rien dit pour l'instant, ni à moi, ni à Christophe. Est-ce important? Oui, c'est assez important. Quel connard qui fait ça, quand même. Dans ce cas, je t'écoute. L'autre soir, on a croisé Brian, il nous a dit quelque chose. Donc, il a dit qu'il regrettait le. Il a dit qu'il était présent le soir où Eva a disparu. Ah bon, tu es sûr de ce que tu dis? C'est une information très importante, tu sais. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère bien, je vais contacter mon mari tout de suite. Fuis, Brian, fuis! Pour ma part, je te remercie.
C'est tout à fait normal. Au revoir. Une nouvelle piste de Chloé Winslet. Un jour plus tard, une nouvelle personne fait son apparition dans votre vie. Oh, mais là, elle est hors ligne, hein, je pourrais dire. À jour, en ami. Bonjour. Allez, on va la draguer, elle aussi. Coucou, Eston, je me présente, je m'appelle Chloé. Je peux t'aider? Oh, ça oui. C'est à propos d'Eva. Je ne sais pas si elle t'en a parlé, mais je suis sa grande sœur. Elle ne m'a rien dit à ce propos. Pourtant, elle m'a bien fait comprendre que tu étais une personne de confiance et qui on peut confier des plus grands secrets. Elle et moi avons toujours voulu nous cacher les autres. J'ai vécu une histoire assez tragique étant petite et plusieurs personnes ne savent pas que j'existe encore dans mes parents. Tu peux compter sur moi. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû choisir l'autre. Merci, Esteban. J'ai des pistes, mais je ne peux pas tout faire toute seule. Ok, elle a des pistes. Je t'avoue que je pensais qu'Eva t'avait parlé de moi. Bah non, disons qu'elle n'a pas eu le temps. C'est la vraie raison pour laquelle je me suis convaincu de faire un pas vers toi. Eh ben oui. Après, elle m'a dit qu'elle était morte, donc. Je suis au courant pour Brian, tu as bien fait de le dénoncer, je suis sûr qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire. Bah, je pense qu'il l'a tué, ça serait logique, puisque c'est un connard. Mais une personne qui est dans ma classe. Non, quand même pas. Non, le Brian qui est dans ma classe, il s'en bat. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris la fuite, ça confirme les soupçons que j'ai contre lui. Bah, tu m'étonnes, en plus, j'ai dénoncé comme une vieille balance du 18e. Maintenant, c'est à nous d'avancer par nous-mêmes. Sinon, on peut faire une croix sur nos chances de le retrouver. Déjà, on n'est pas sûr qu'il soit encore hier. Je suis totalement d'accord. On va pas dire à sa sœur qu'elle est morte quand même. On va pas lui faire ça. Ça se fait pas. Super, j'ai hâte qu'on fasse notre petite enquête ensemble. Oh, je vais draguer maintenant Chloé Winslet. Je bois un peu d'eau. Alors, dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant toujours. Chloé, c'est déjà plusieurs choses sur vous. Je vois, c'est très bien ça. Et toi, que fais-tu? Alors, je travaille à mon compte, je crée des maquettes, des sites internet pour des petites entreprises. Ouais, bah, il y a des sites gratuits pour les faire, hein. Chloé, tu vas finir au chômage! C'est assez vaste et je suis très libre. Ça me laisse même du temps chaque jour pour partir sur la trace d'Eva. Nice. La concernant. C'est simple et compliqué à la fois. Je t'avoue avoir suivi Ryan plusieurs fois. Je pense que tu l'as rendu jaloux et que ça lui a donné envie de passer à l'acte. Quel salopard Ryan, on va le retrouver ensemble. Il était aussi agressif avec Zoé. C'est ce que j'ai pu comprendre, ma pauvre Zoé. Ouais, bah elle est morte. Enfin, non, maintenant elle est en vie. Oh, je sais plus. Oh, ça me casse les couilles cette histoire. Elle est en vie, elle est pas en vie, Zoé. On va avancer ensemble, Essonne. Je peux savoir compter sur toi comme je pourrais compter comme un frère. Non, je veux pas être ton frère. Je veux être ton. Oh, ouais, ton petit ami, quoi. Le but, c'est que je drague, je rappelle. Hein. Je m'en bats les couilles de la personne. Je vais avoir besoin de ça. On partira un soir à Saint-Claire, tout seul où je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps. Tu devrais le dire à... Attends.
Alors, elle est encore vivante. Pour l'instant, je ne vais pas tout doyer, mais je suis certain qu'elle s'y trouve. Ah putain, s'il est encore en vie, bien wesh. Pour prendre ma voiture pour y aller. D'accord, Ezoé peut venir. On ne sera que toi et moi. On sera seul. Je pense que 4, 2 ou 3, c'est trop bien. Tu aimerais que Zoé vienne? J'ai pas envie que Zoé vienne. Tu as bien raison. Et puis je doute qu'elle soit une personne de confiance. Ah bah ça, je confirme, hein. Parce que je vous avoue, j'ai regardé une histoire alternative. Et puis en fait, elle aussi, elle sait quelque chose à propos de la soirée. Entre nous, je me demande quelle réaction aurait Eva si elle voit que tu es aussi proche de sa meilleure amie, tu ne penses pas. Ben, c'est exactement ça. Il n'y a rien entre Zoé et moi. Bon, bah ben, les couilles de Zoé, elle est morte grâce à moi. D'accord, je comprends. Je peux avoir ton numéro de téléphone, je t'enverrai un message au moment venu, je passerai te chercher chez toi. Tu sais où j'habite? Stalker! Tu me reconnaîtras facilement, j'aurai un bonnet noir sur la tête, ouais, comme ton truc. Je passe mon numéro. Tout cas, je suis heureuse d'être venue te parler, tu es quelqu'un de très bien. Eva avait raison. C'est gentil, tu as l'air d'être une personne. Je te remercie. Parce que si Eva est en vie, autant draguer Eva. Je retourne à mon travail, passe une bonne soirée. Au revoir, Chloé. Hors ligne. La cave. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous, mais vous êtes où? Où êtes-vous? Localisation impossible. Vous êtes devant une porte en métal. Non, rien faire. Rentrez seul. Vous ouvrez la porte. Vous entendez une voix modifiée, vous appelez. Il y a deux personnes accrochées sur une chaise chacune. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par du gros scotch. Zoé? Personne ne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transparente. Tu vas pouvoir faire ton choix, Stan. Quel choix? C'est simple. Putain, la pute. Fais un choix entre l'une de ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais décompter, si tu me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Moi, je peux pas choisir. Bon, c'est vraiment dommage. Fermez les yeux apeurés. Une des deux personnes tombe sur le sol. Ça, mais j'ai rien pu faire. Tu aurais pu éviter tout ça, Esteban, Eva Belle. What? Arriverez-vous à une autre fin le moment venu? Friendzone 2, disponible le 20-10-2017. Attends, 20-010? D'accord. Donc on aura le suite dans 8 jours. Bon bah écoutez, c'était Steven Fox 8. Je vous donnerai de rendez-vous dans... Bah attendez, dans 8 jours. C'est dans combien de temps? Bah ouais, dans une semaine. Donc ça sortira samedi prochain. Donc écoutez, j'essaierai
Je dis bien, j'essaierai d'essayer de tourner cette dernière vidéo de Friendzone 2, je pense. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Simon Fuxfeed, je vous dis à la prochaine. Peace.